qu'on a bien pour nous développer pour vous dans le journal. Là. Trois ministres qui ont secrétaire d'État installé jeudi en fonction pendant l'installation. Premier ministre Evans Paul m'a dit appliquer feuille de route gouvernement et puis travail pour la paix sociale. Président républicain Michel Martelly décoré dans le palais national après-midi vendredi, diplomate Pamela Ann White qui vivait dans ses missions dans le pays d'Haïti. KEP en Chita Palais jeudi vendredi avec environ 40 candidats à la présidence sous Mézi. Institution électorale là compte prend pour permettre l'élection puis bien dérouler la date 25 octobre cap venir là. Bateau médical USNS Comfort qui sorti dans pays les États-Unis sous 4e mission en dans pays. Objectif là c'est bail soins gratis à population haïtienne là pendant environ 2 semaines. N'a pas une pause, n'a tourner pour développement journal là, restez branché. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour monsieur. Bonjour. D'arrêter changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas gain monnaie. Hein? Mes amis à tort. À qui ça banque ça utile même? Li pas jamais gain monnaie, ça fait me songer problème te gain à qui on client. Client, pas gain monnaie de goutte et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour. Cigarette pas l'argent, mais monnaie en pièce c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'es passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour. C'est monnaie en pièce au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Aïe tout belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, vous avez toujours payé sans que vous payez, sans être ni mettre. Banque centrale de monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good et 5 good. Mande banque pour la, pas ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas de prix à nommer aucune banque. Parce que banque centrale baille toute banque monnaie. Nous retournons après Poslan, nous avons tenté avec dossier élection. Je s'attends à prévoir qu'il y ait rencontré avec plusieurs candidats pour poste président jeudi vendredi, dans l'idée pour partager avec eux ensemble dispositions qui prend pour permettre l'élection 25 octobre bien passée. KEP a proposé pour l'élection municipale qui a fait en décembre, en même temps avec deuxième tour élection présidentielle, et puis refaire l'élection pour poste législatif dans la zone côté KEP a été annulé dans la date 25 octobre, ensemble avec premier présidentiel d'après conseiller électoral Ricardo Augustin qui était dans le micro Wesley Antoine. La difficulté qui vient pour nous ta contenu dans même et pièce là 7 une qui parle de manière exagérée qui parle d'une opération de vote là très compliquée. Conseil là tu besoin joindre un consensus avec candidat à la présidence sous possibilité pour que 25 octobre là nous organiser un premier tour présidentiel yo deuxième tour législatif côté pas de gain problème que l'élection était bien passée le 9 août. Il n'y a pas mettre et résultat ça en question en doute. Donc à ce moment-là, nous disons qu'on a fait deuxième tour législatif dans le département ça dans la circonscription ça. Et côté que l'élection pour le reprendre, on a fait partiel le 25 octobre et puis on a fait municipal. Ensuite, nous dit comme 27 décembre, il y a l'autre date qui prévoit pour compétition électorale, yo, eh bien, le conseil a proposé, il m'a des consensus sous lui pour que li organise élection locale yo AZEC KAZEC délégué de ville le 27 deuxième tour présidentiel si nécessaire et élection deuxième tour législatif yo pour zone que nous t'ai organisé partiel yo le 25 octobre. Donc ensemble de dispositions ça yo c'est yon consensus que nous jeune avec candidat à la présidence qui pas arrêté encore parce que conseil là pour le rencontrer avec parti politique yo. Faut que nous dit était environ 40 candidats pour poste président qui t'a participé dans rencontre ça à Caypéan, gien là dedans tant que Steven Benoît avec sauveur Pierre Etienne qui pas d'accord avec proposition Caypéan. Mettez dans micro Wesley Antoine à qui vont essayer.
Je dis à CEPA a dit qu'on consensus, mais dit pas qu'on consensus. Bon discussion qui doit continuer jusqu'à la nuit n'a pas fini. Consensus a fait pour dire que a gagné partiel, a gagné deuxième tour présidentiel le 25 octobre. Moi dit n'est pas normal. Je pense que faut faire toute partiel, tout côté gain problème à travers le pays. Comme gain BCE de gain BCEN, moi même impatient pour me tendre BCEN bail tout résultat qu'on ait gain problème qu'on ait pour faire yo. Donc on doit faire toute élection ça yo avec présidentielle le 25 octobre et le 27 décembre ou t'a prendre tout deuxième tour en même temps pour pas y confusion. On t'a dit nous jouons un consensus sur plusieurs points. Bon seul point côté qui gagne un petit désaccord. C'est comment pour chaque côté depuis qu'on circonscription dans le département pour aller reprise pour élection député yo côté le gâté yo obligé conseil là accepter principe que eh bien pour aller sénatorial partiel et nous joindre accord tout sur le fait que collectivité territoriale yo toutes nous pas cap gain 7 urnes en dedans un petit carré mais ça essentiel c'est que sénateur Benoît t'a souhaité que toute élection toute deuxième tour yo fait au seul coup même si il y a deux députés qui parlent dans le deuxième tour, il y a le 27 décembre. Mais le conseil n'a pas eu comme ça. Et il y a un pile candidat à la présidence qui reconnaît que c'est surtout sénatorial, deuxième tour sénatorial qui va le faire le 27 décembre, parce que bon problème, au niveau département du Nord-Est, il semblerait que pas de problème. Donc si pas de élection qui va le faire dans le Nord-Est, à ce moment, eh bien, sénatorial Nord-Est, capable bien deuxième tour sénatorial Nord-Est qui fête eh bien le 25 octobre. Candidat yo pendant rencontre ça te partagé à KPN plusieurs préoccupations yo gagne. Candidat pour poste président Mathias Pierre mandé conseil électoral provisoire appliquer sa décret électoral l'en prévoit contre monde cap utiliser matériel l'état pour faire campagne. Ensuite déclaration. Et nous mandé membre CEP qui senti yo même yo gagne une responsabilité historique dans cadre élection ça yo pour que yo dissocié yo de pouvoir exécutif là pour que yo clairement mandé et appliquer loi électorale là pour que ou constater matériel d'état machine d'état des responsables de l'état qui eux même pas prendre des dispositions pour yo capable écarter yo pour permettre élection en fait de manière crédible et ben nous mandé CEPA pour que il prenne des dispositions par rapport à ça nous gagnons tout et directeur exécutif CEPA qui là par exemple il y a un point qui t'a discuté là c'est question participation dans l'élection. Nous dit CEPA, c'est vrai que CEPA, et à travers le directeur exécutif, il dit que c'est parti politique qui peut garantir que les gens participent à l'élection. Moi, je dis non. Lorsque la télévision a montré violence qui gagne dans l'élection, lorsque nous songeons ce qui est passé en 1987 en Riel Vaillant, son psychose de peur en tête de la population. S'il sentit que il y a une violence, eh bien, il ne peut pas sortir pour la voter. Je vous dis, ce n'est pas seulement CEPA, ce n'est pas seulement parti politique qui n'a pas fait les gens seulement à voter. Il faut que le pouvoir exécutif prenne responsabilité, la police prenne responsabilité pour garantir la sécurité. Si je n'ai pas senti ma sécurité, je ne vais pas mal voter. Et je vous dis, nous pensons que pour l'élection réussie, et quand on me dit à plusieurs reprises, vraiment, il faut que acteurs qui impliquent, qu'il s'agit de communauté internationale, qu'il s'agit de CEPA, il faut que le pouvoir exécutif, à savoir le président Matéli, prend en distance par rapport à l'élection. Famille Lavalas manifestée jeudi vendredi à Port-au-Prince dans l'idée pour commémorer 27e anniversaire massacre 11 septembre 1988 là. Manifestants ont tout profité une autre fois demander annulation élection 9 d'août qui s'est passé hein et puis réclamer organisation élection générale pour 25 octobre qui va venir là. Manifestation qui était doit arriver devant hôtel El Rancho côté KP ont réuni avec plusieurs candidats à la présidence. Pas atteint objectif là à cause des dispositifs la police était déployé dans zone là. En suivant bien cette manifestation. Nous là pour nous dire fuck annulation élection, fuck que 25 octobre pas passé même gens avec 9 août, fuck 25 octobre pas passé même gens avec 29 novembre 87. Faut gagner élection libre, honnête, démocratique, élection générale, président, législative, collectivité territoriale, le 25 octobre,
et que le peuple, il faut que la balance descende, que les pays descendent. C'est au droit, la constitution, pour respecter le vote. Et pour l'idée, notre situation d'un pays, peut-être pour respecter le monde, le vote. C'est seule façon ça, pour construire un système démocratique, pour mettre en place des institutions démocratiques. Mobilisation, mobilisation. L'autre nouvelle, Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA organisée journée vendredi 11 septembre. Il y a un atelier débat avec plusieurs femmes dans l'objectif pour brasser l'idée sur la participation des femmes dans les affaires politiques paysans. Atelier ça qui était déroulé en baptême Réflexion dans perspective pour construction d'un projet féministe haïtien. C'était l'occasion pour mesdames de poser questions sur sa femme représentée dans la société haïtienne. Marie-France Joachin, c'est coordonnatrice générale SOFA. Il était dans le micro Pierre Lunico Evange avec Maxo Joseph. Atelier ça est entré justement dans le cadre et axe intervention SOFA qui c'est participation femme dans et instance décisionnelle yo. Donc je nous connais SOFA c'est une organisation qui a broumé depuis 29 l'année mais plus précisément depuis 20 l'année nous intéressé dans faire en sorte que eh bien femme yo même yo capable participer dans espace public yo femme yo participer dans l'état mais c'est pas seulement pour yo participer pour yo présent pour yo représenter dans institution publique yo dans l'état mais c'est travail tout bataille pour transformer l'état ça de telle sorte que nous capable gagner yon l'état qui lui-même au service de femmes yo au service de population hein, et au service tout des biens communs au service de la démocratie. Yon l'autre bord SOFA dénoncer attitude conseil électoral là qui pas décidé écouter revendications diverses partis politiques à candidats qui demandaient une évaluation générale élection 9 d'août à cause fraude et irrégularité qui était enregistrée dans journée Fortland. L'était dans micro Pierre Lunico Evange avec Maxo Joseph. Institution qui a responsabilité fait élection si vraiment li vle faire une élection inclusive si vraiment li vle faire une élection démocratique si vraiment li besoin faire une élection qui pas déboucher sous crise le résultat bail on croit que li gagné obligation pour li font camper pour li tendre et pour le faire évaluation et pour sanction prend donc dès lors que la piqué devant eh bien nous risquer tomber dans une catastrophe puis devant et nous mêmes c'est ça au niveau SOFA nous quoi qui est important pour nous éviter pour pays à pas tomber dans une catastrophe. Là nous dit pour pays à pas tomber dans une catastrophe, c'est à plusieurs niveaux. Comment nous sommes capables de dire que au niveau de ça qui passé 9 août là, nous gagnons une bonne partie politique. Et parti politique ça yo, c'est eux même qui principal des partis politiques qui a fait violence dans l'élection. Et qui ça nous constater, eh bien c'est parti politique ça eux même qui devant course là. Le ça qui signale CEPA lui-même livré ban nous. Qui signale livré voyer by peuple là. Qui signale livré voyer by femme yo. L'autre nouvelle, Premier ministre haïtien Evans Paul installé journée vendredi en Ardoin Zéphirin comme ministre intérieur à collectivité territoriale. Ariel Henry, ministre affaires sociales et travail. Gabriel Hyacinthe, ministre conditions femmes et droits femmes. Et puis Jean Wilberson Timothée, secrétaire d'État pour alphabétisation. Chef gouvernement a demandé 4 nouveaux membres SAIO pour appliquer feuille de route gouvernement et puis travail pour la paix sociale et réduit misère. Yon extrait de la déclaration dans le micro, Michel Alexis et Ephésie Mathieu. Je convie le ministre de l'Intérieur des collectivités territoriales à travailler en vue de retrouver la paix sociale dans toutes les collectivités du pays. La paix sociale est génératrice de progrès et de développement socio-économique. De même, j'invite le nouveau ministre des Affaires sociales et du Travail à œuvrer à la consolidation de l'emploi, de répandre les arts, les métiers au sein de la population et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Aussi,
Je convie le nouveau ministre à la condition féminine et aux droits de la femme de faire respecter les droits des femmes sans se questionner sur leurs origines sociales ou leurs conditions socio-économiques, sans se questionner sur leurs choix personnels, et de travailler également pour l'égalité du genre au sein de notre communauté. Enfin, j'invite le nouveau secrétaire d'État à faire de l'alphabétisation une réalité et qu'elle se base sur le vécu quotidien de nos compatriotes. Bateau médical USNS Comfort qui sortit dans le pays des États-Unis, arrivé dans le pays d'Haïti. Yon cérémonie organisée dans son sage, journée vendredi 11 septembre, dans la base navale Amiral Kilik dans Bizotan, en présence de plusieurs personnalités nationales et internationales. Objectif mission 1, c'est bail soins gratis à la population haïtienne pendant environ 2 semaines. Ministre Santé publique, Florence Andu, Pierre-Val Guillaume, qui a accueilli mission en quoi? Mission médicale ça a aidé à sauver un pile vie en d'un pays. Lité dans le micro, Ludmilla Marc avec Jasmine Denis. C'est avec beaucoup de plaisir que nous autres du gouvernement haïtien, nous recevons cette assistance que nous offre le gouvernement américain pour la 4e fois, si j'ai bonne mémoire. Et à chaque fois que le US Comfort arrive en Haïti, il y a des tas de vies qui sont sauvées. Il y a des tas de gestes thérapeutiques, particulièrement des gestes chirurgicaux qui sont faits et qui aident vraiment à la sauvegarde des vies. Nous autres, au niveau du ministère de la Santé publique et de la population, notre mission est exactement celle-là. C'est de pouvoir sauver le plus de vies, autant de vies que nous pouvons. Les gens qui rentrent dans nos structures hospitalières sont des gens malades et leur rêve, leur idéal, c'est de pouvoir en ressortir guéri. Donc, toutes les fois que nous avons à nos côtés des partenaires à même de nous aider à accomplir cette mission que nous nous sommes confiés, nous autres professionnels de la santé en Haïti, nous ne pouvons que les applaudir et leur dire de tout cœur merci. Ambassadeur pays États-Unis dans le pays d'Haïti, Pamela White, qui était présent dans la cérémonie, expliquait coopération entre pays et pays Haïti bail un pile résultat dans le domaine santé. Pamela Ann White déclarait docteur haïtien et américain pour le travail dans la peine cadre mission ça. Dites dans le micro, Ludmilla Marc avec Jasmine Denis. Nous avons eu des succès fantastiques avec cette coopération entre nous et le ministère de la Santé. Si vous entendez parler de le choléra a été réduit de 92%. La mortalité infantile a été diminuée à moitié. Le VIH a été réduit de moitié en termes de la... Et 80% des différentes personnes qui sont infectées en tuberculose sont traitées. Et ça a fait une augmentation de 28%, il y avait 3%. 95% des gens vivent dans les meilleures maisons. Toutes les différentes maisons écrasées et tous les débris ont été dégagés. 64% des gens ont accès à de l'eau propre. Ça, c'est un pourcentage fantastique. Le crime a baissé, le kidnapping a été éliminé, le nombre de policiers a augmenté. On va remercier la police. Nous avons financé l'orientation de 2500 nouveaux policiers en 3 ans. Et ils ont fait un travail fantastique. Ils méritent vraiment. On se voit en complément. Tout ça serait une raison d'avoir une grande célébration. Mais ça montre où Haïti est arrivé. Nous avons beaucoup de travail à faire toujours, mais la visite de ce Comfort, c'est une visite parfaite de l'engagement contre les États-Unis. Faut que nous dit tout, yon nan mission an te honoré ministre santé an, ministre justice lan ak ministre intérieur an et puis première dame république lan Sophia Saint-Rémy Martelly pour support yo bay ak mission an. L'autre nouvelle an dan journal lan pour marquer 18 l'année existence compagnie Copaiti nan question technologie, responsable organisé yon rencontre ak différents partenaires yo gagnent tankou HP nan l'idée pour discuter sou ki mezi entreprise yo doit adopter par rapport ak nouvelle technologie yo. Pour 18 l'année ça, compagnie TIG a pour objectif ajouter 3 nouveaux services qui, d'après PDG Institution 1, a aidé entreprise à gérer matériel longue distance. Ralph Pereira, t'es dans le micro, Ludmilla Marc, à qui vont s'aider. Nous-mêmes, nous allons introduire 3 nouveaux managed services, mais à un niveau inférieur.
Donc c'est manage point de service que nous avons offert en premier. Nous avons offert manage security. Et puis le dernier, bah, là, c'est l'archivage électronique et la gestion des documents. C'est-à-dire, par exemple, on fait 30-40 printers. Ah ouais? 20-30-40 printers, il faut qu'on ait un staff local qui pourrait réparer le printer. Ça. Okay. Pendant qu'on a préparé le printer, ça, M. Baguette, qu'on a là, pour la réfléchir pour l'entreprise là, pour capoter l'information par le management. Donc, job nous-mêmes, c'est que nous avons vu avec le printer, nous avons mis le client, nous avons branché par Internet sous le printer. Et depuis le printer, le tunnel fini, nous avons bien qu'on est pour nous venir changer le boulot. Nous avons bien qu'on est que fuseur, par exemple, à l'empanne, pour nous venir remplacer le boulot. Donc, son gestion à distance que lié de l'équipement. Puis, bien entendu, l'archivage électronique, c'est. Il y a des compagnies qui ont des tonnes et des tonnes de documents physiques qui sont dans un entrepôt. Si nous songeons ça qui se passe à Goudou Goudou, on va avoir une entreprise qui perd toute mémoire. Tandis que Kounia là, si nous prenons et que nous archivons électroniquement et que nous stockons dans le cloud là, mon cher, de mettre Goudou Goudou, de mettre inondation, il te mettre quelque chose en salle là pour rejoindre les données là, quand même, parce que c'est dans le cloud là. Ces trois années-là, ces trois années qui étaient plus difficiles que nous jamais passées. Et c'est justement parce que nous passons années difficiles à eux, à la baisse, qui viennent forcer nous réfléchir sur qui j'ai pour aborder ma chère différemment. Institut Audit Interne, lancé journée vendredi, site web, semainedelaudit.org, qui a fait promotion pour semaine audit, qui a bien pour réaliser sorti 30 novembre pour arriver 4 décembre prochain en baptême. World Audit Interne, dans la bataille contre la corruption, à contribution, nous permet de bien diriger. Thomas Emmanuel Blo, c'est président Institut Audit Interne, il était dans le micro, journaliste Saint-Ilus avec Max Joseph. Il y a un pile et non loin électorales, ça veut dire que nous prévoyons qu'il y a des changements bientôt au niveau national. Donc, nous pensons que c'était l'occasion justement pour nous agiter un terme qui fait appel justement à la notion de bonne gouvernance pour être capable de sensibiliser que ce soit dirigeants actuels ou dirigeants qui prennent venir sur l'importance audit interne dans la lutte contre la corruption. Parce que pas oublier que chaque année, il y a des statistiques qui sortent et Haïti n'est pas toujours parmi les mieux classés. Donc il y a un problème qui est là, qui mérite d'aborder. Et il y a Haïti pensé que en agitant des termes sous sujet ça, la permettre quand même de porter contribution non, à une amélioration, à une diminution justement de corruption et améliorer par la même occasion et bonne gouvernance. Parce que bonne gouvernance, et Gabriel Zéphir a signalé le nom, c'est d'abord ces structures organisationnelles, là, comment que les structurer et qui relation au dit interne gagne avec soit conseil d'administration ou direction générale. Donc, dans ce sens-là, terme trouvé que les appoints nommés, et ce n'est pas un terme à sensation que nous avons cherché, mais nous avons cherché comment que nous avons utile société ça par rapport à différents termes que nous avons développés. Plusieurs thématiques ont bien pour débattre dans la série Chita Palaisayo, tant que impact fraude et corruption sur performance institution publique et privée, mais y a prévention. Faire promotion pour audit interne dans un pays, ça permet d'investiguer, gagner plus confiance dans l'institution. D'après Gabriel Zéphir, gouverneur et puis directeur exécutif Institut Audit Interne dans le micro, journaliste Saint-Ilus avec Max Joseph. Et ces quatre piliers, c'est ce conseil d'administration ou l'équivalent. Cela veut dire les gens qui ont été mandatés pour assumer une responsabilité ultime, qu'il soit la conduite d'opération, qu'il soit la conduite d'une entreprise. Il y a les directions générales, les directions exécutives, les gestionnaires, ceux-là qui ont les responsabilités, parce qu'ils doivent fournir des résultats, ils doivent donner les résultats, ils doivent prouver effectivement que les raisons pour lesquelles ils ont été investis de certains pouvoirs, ces raisons trouvent leur manifestation dans les résultats spécifiques. Et ces résultats doivent être évalués. L'évaluation de ces résultats, on les trouve à deux niveaux. D'abord, au niveau financier, compte tenu du fait qu'à la fin de la journée, on doit rendre compte des ressources. Et les ressources sont généralement des ressources financières traduites sous toute forme. Promouvoir la fonction de l'audit interne, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, étant donné que c'est un des piliers indispensables, c'est un carrefour obligé si on veut se lancer dans la voie de la bonne gouvernance et de la démocratie. Troisièmement, c'est
participer à cette culture, à la promotion de cette culture d'éthique et d'intégrité. Contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires. Parce que lorsque les investisseurs savent qu'il y a des auditeurs internes qui sont là, ils savent aussi qu'il y a une pratique de bonne gouvernance au niveau d'une entreprise, au niveau dans un pays, de manière générale, ils sont beaucoup plus quiets à faire le pas, à se lancer dans le pari de l'investissement. Nous pourrions parler de météo, Kounia, dans le journal, collaboratrice Nouslène, séjour déjà paru. En suivant ensemble, qui j'en condition temps à pied, jeudi. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour dernier sortie bulletin météo pour deuxième semaine septembre 2015 là. Il y en a remarqué que nous gagnons c'est que tempête tropicale grâce, les déformés les vient tourner en tropicale. Si nous avons quelques changements dans l'air là, c'est parce que les influencés sous conditions météorologiques puis fort pays dans Caraïbes là. Kounya, on a regardé qui j'ai température là dans quelques villes. Port-au-Prince, cette température là à 22 degrés là fait bon, on a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner là puis avec orage, a une légère brise qui prend direction sud-est à une vitesse 6 km à l'heure. Au Cap-Haïtien, température là à 26 degrés, la fait plus ou moins bon, a un ciel plus ou moins clair, des possibilités pour nous gagner orage, a une petite brise qui prend direction l'est à une vitesse 13 km à l'heure. Au Cap, température là à 27 degrés, la fait plus ou moins bon, a un ciel éclairci, des possibilités pour nous gagner l'appui avec orage, a une petite brise qui prend direction l'est à une vitesse 15 km à l'heure. Jacmel, température là à 25 degrés, la fait bon, n'a pas un ciel peu nuageux, des possibilités pour nous gagner l'appui avec orage, a une très légère brise qui prend direction sud-est à une vitesse 7 km à l'heure. Jérémy, température là à 24 degrés, la fait bon, n'a pas un ciel peu nuageux, des possibilités pour nous gagner l'appui avec orage, a une très légère brise qui prend direction nord à une vitesse 4 km à l'heure. Gonaïve, température là à 23 degrés, la fait bon, n'a pas un ciel nuageux, des possibilités pour nous gagner l'appui avec orage, a une légère brise qui prend direction nord-est à une vitesse 6 km à l'heure. Foy Liberté, température là à 21 degrés, la fait très bon, n'a pas un ciel nuageux, des possibilités pour nous gagner l'appui avec orage, a une légère brise qui prend direction l'est à une vitesse 7 km à l'heure. Eche, température là à 19 degrés, la fait très bon, n'a pas un ciel nuageux, des possibilités pour nous gagner l'appui avec orage, a une légère brise qui prend direction sud-est à une vitesse 4 km à l'heure. Port de Paix, température là à 25 degrés, la fait bon, n'a pas un ciel éclairci, des possibilités pour nous gagner orage, a une légère brise qui prend direction l'est à une vitesse 7 km à l'heure. Miragouane, température là à 24 degrés, n'a pas un ciel peu nuageux, des possibilités pour nous gagner orage, a une légère brise qui prend direction sud à une vitesse 6 km à l'heure. N'a pas dit tout capitaine voilier qui dans zone côtière nord sud à gauche de la Gonave que a gagné la main peu agité, n'a pas dit au prudent quand même. Matin soleil a levé à 6h36 et l'a couché à 6h57. Le proverbe du jour, macaque pas jamais croire petite lilette. Merci tout le monde qui t'a suivi bulletin météo pour jeudi vendredi 11 septembre 2015. Nous dit merci, n'a pas suite au bon week-end sur Télé-Signal. Merci Slène, journal la rive en boutli avant d'aller rappel titio. Trois ministres à qui ont secrétaire d'État installé jeudi en non fonction yo. Pendant l'installation, Premier ministre Evans Paul Mandeyo appliqué feuille de route gouvernement et puis travail pour la paix sociale. Président République Michel Martelly décoré dans le Palais national après-midi vendredi, diplomate Pamela Anne White qui arrive dans la fin mission dans le pays d'Haïti. Kaipéan Chita parlé jeudi vendredi avec environ 40 candidats à la présidence sous mes institutions électorales compte prend pour permettre l'élection qui bien déroulée dans la date 25 octobre Cap Venela. Bateau médical UNSN Comfort qui sortit dans le pays États-Unis sous 4e mission en de pays. Objectif là, c'est bail soins gratis à la population haïtienne pendant environ 2 semaines. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas cassé rendez-vous lundi pour une autre édition nouvelle en créole sous Télé-Signal. Bon week-end et puis en pile prudence pour nous croiser lundi prochain.